Bienvenue chez toi, bienvenue chez nous, bienvenue au CCH. Encore une fois, merci de nous accueillir chez vous. Et aujourd'hui, on aura de la louange, on aura une prédication de Pasteur Laurent. Et juste avant, je veux juste prendre ce temps de nous souhaiter à chacun de nous joyeuse Pâques, qu'on puisse prendre le temps de chacun de où ce que nous sommes, de se remémorer de la mort de Christ et de se rappeler que Christ est ressuscité. Et le sujet de la prédication aujourd'hui à Laurent, c'est la plus grande preuve d'amour. Soyez bénis. Spécial dimanche de Pâques et en même temps un dimanche de Pâques qu'on va se souvenir très longtemps. C'est assez unique ce que l'on traverse, ce que l'on vit présentement dans le monde entier. Et vraiment, on est très heureux, on remercie Dieu de pouvoir au moins connecter de cette manière-là. Alors on est séparés, on n'est pas là physiquement ensemble, mais on peut au moins connecter spirituellement ensemble aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose qui touche mon cœur. Et j'espère que ce matin, vous allez être bénis. J'espère que ce message va pouvoir aussi vous parler, vous toucher et vous vivifier surtout parce qu'on a besoin d'être fortifiés dans ces moments-là. Un message, bien sûr, dans le contexte de Pâques aujourd'hui. Et quoi de mieux que de parler de l'amour de Dieu lorsqu'il s'agit de parler de Pâques? Parce que Pâques, c'est vraiment l'histoire
de l'amour de Dieu. Et le titre de mon message s'intitule « La plus grande preuve d'amour ». Parce que Pâques, c'est une histoire d'amour et pas n'importe quel amour. C'est celui de Dieu. C'est l'histoire de son amour. Et on a besoin vraiment plus que jamais de dépendre, d'apprendre à dépendre de Dieu plus que jamais. Surtout dans les conditions actuelles, moi je réalise tellement l'importance de dépendre de Dieu totalement, plus que jamais. Et j'ai besoin de lui et j'ai surtout besoin d'être fortifié par sa grâce, par sa présence et surtout de ne jamais perdre de vue qu'il est un Dieu d'amour, qu'il m'aime d'un amour inconditionnel, extraordinaire. Et c'est vraiment le but de mon message ce matin, qu'on puisse être fortifié à travers cet amour qu'il a pour nous. En fait, Pâques, c'est tout d'abord l'histoire de la grandeur de Dieu. Vous savez, Pâques, c'est une fête que les Juifs ont continué à fêter avec le temps. En fait, c'est une fête qui était là pour se rappeler ce que Dieu avait fait dans le passé au temps d'Israël avec Moïse dans le livre de l'Exode. Et ça rappelle comment Dieu a délivré Israël, un peuple qui était en esclavage, un peuple qui était misérable et qui endurait des souffrances terribles. Et Dieu s'est souvenu d'Israël et Dieu vraiment a vu que ce peuple était vraiment au bord du désespoir. Et au moment où Dieu intervient, ce peuple-là est vraiment à bout de force. Il est au bout de ses limites. Il a vraiment besoin, ce peuple-là a besoin qu'il y ait une solution. Il arrive à une impasse parce que l'Égypte vraiment domine sur ce peuple-là. Ils sont en esclavage, ils souffrent terriblement. Et Dieu va intervenir auprès de ce peuple en manifestant sa gloire. En manifestant sa gloire. Et il va manifester sa puissance. Une puissance qui va être inégalée puisqu'on sait que toute la puissance de l'Égypte ne va pas pouvoir tenir face à la puissance de Dieu. Et Pâques va devenir finalement une fête qui aura pour but de se rappeler que Dieu a été plus grand que tout, que Dieu a été plus puissant, Dieu a dominé et que l'Égypte n'a pas pu résister et Dieu en est sorti vainqueur. Et il y a ce contraste incroyable déjà que nous pouvons faire. C'est que Israël était sur terre, il était à bout de ses limites. En fait, il ne pouvait plus rien faire. Et la terre était vraiment, c'est un contraste saisissant que nous pouvons vraiment regarder ensemble, mais la terre était arrivée au bout de ses limites. Mais ce que la Bible veut nous faire comprendre, c'est que le ciel va se déployer malgré tout dans toute sa splendeur. Et il y a vraiment une différence entre ce qui se passe sur terre, ce qui se passe dans le ciel. Et ça, c'est vraiment en introduction à ce message, ce que j'aimerais qu'on puisse saisir pour chacune de nos vies. Je sais qu'en ce moment, la terre est ébranlée. Le monde entier est en train de traverser une crise qui affecte tous les pays. Et une chose qu'on a besoin de se rappeler, c'est que le ciel n'est pas contaminé. Le ciel reste encore dans toute sa vigueur, toute sa splendeur, parce que Dieu siège dans le ciel. Et notre Dieu est un grand Dieu. Et ce qu'on a besoin de saisir, c'est l'amour de Dieu. En fait, Dieu est intervenu envers Israël parce qu'il aimait Israël. Il est intervenu par son amour. Et Dieu est intervenu en montrant à Israël qu'il gouverne. C'est un Dieu qui gouverne la totalité de ce qui existe. Et mon premier point ce matin, ce qu'on a besoin de saisir à travers ce message qui est la plus grande preuve d'amour que Dieu nous est fait, c'est que son amour règne. L'amour de Dieu, c'est un amour qui règne. Et ça me touche particulièrement parce que on voit vraiment que Dieu tient à se révéler de cette manière-là. Il est Dieu. Chers amis, Dieu est Dieu. Nous sommes des hommes, mais Dieu est Dieu. Nous vivons sur terre, mais Dieu siège dans le ciel. Et c'est tellement important de saisir cette réalité. Il est Dieu. En fait, il est le seul vrai Dieu. C'est lui qui règne. C'est ce que l'on voit dans le psaume 11 au verset 4. Il est celui qui règne. Et ça me touche parce que, en même temps,
j'ai été interpellé avec le message qui se retrouve dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 15. C'est la fameuse parole que Paul va donner à Timothée. Et on sait que Paul va partager vraiment des paroles pour relever, fortifier Timothée. Timothée a besoin d'être fortifié à ce moment-là. Et Paul va vraiment prendre un angle particulier, mais qui va nous rappeler un peu toutes ces leçons aussi qu'Israël a pu saisir lorsque Dieu est venu, est intervenu pour les faire sortir d'Égypte. Et c'est particulier parce que Paul va choisir des mots très, très forts. Il va encourager Timothée en lui rappelant à quel point Dieu est le seul souverain. Au verset 15 et 16, là, il y a des mots forts qui ressortent. Vous pouvez regarder ça à partir de chez vous. Et selon les versions, vraiment, il y a des mots qui ressortent très, 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 très forts. Et ce que l'on réalise, c'est que Paul rappelle à Timothée à quel point Dieu seul est souverain. En fait, il veut lui rappeler que Dieu n'est régi que par sa seule autorité. Et c'est très, très fort. Qu'il n'existe pas d'autre Dieu et il n'existe pas d'autre autorité que la sienne. Et nous n'avons rien, il va dire au verset 7, « Toi et moi, Timothée, nous n'avons rien apporté sur cette terre. Nous, on n'a rien fait. Tout s'est fait parce que Dieu a été Dieu. » Et vraiment, c'est quelque chose qui, je l'espère, je le souhaite, que puisse nous toucher à travers ce dimanche de Pâques, que l'on se rappelle que tout d'abord, nous avons expérimenté un Dieu plein d'amour, mais son amour est rempli de l'autorité de Dieu. C'est un amour qui règne, c'est un amour qui domine, c'est un amour qui est plus fort que tout. Lui seul est Dieu et souverain. Il rappelle à Timothée ce que Dieu est, tout ce que Dieu est. Et il va déclarer plusieurs choses, qu'il est l'ultime source du bonheur, qu'il est le seul maître de tout, que Dieu et Jésus-Christ est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est celui qui ne meurt pas. Il est le seul qui ne meurt pas. Il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre, une lumière qui est inaccessible. Aucun homme ne pourrait se tenir là où Dieu se tient. Et c'est intéressant de voir l'approche que Paul prend pour encourager Timothée. Et il va lui dire, au verset 11, au verset 12 du chapitre 6, il va lui dire, « Mais toi, sois fidèle à Dieu, cherche à être fidèle à Dieu, reste attaché à lui, avec foi, avec amour, avec patience et avec douceur. Combat le bon combat de la foi. » Dans une autre version, ça dit « Combat le bon combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. » Paul veut rappeler à Timothée, et en même temps, la parole de Dieu veut nous rappeler aussi à nous aujourd'hui, que Dieu demeure notre plus grande sécurité, que Dieu demeure notre plus grande garantie. C'est là toute notre assurance, c'est là tout notre trésor, c'est là vraiment notre bien le plus précieux. Et si nous avons Dieu à nos côtés, nous n'avons rien à redouter. Parce que son amour règne. Dieu reste Dieu. Il est celui qui siège sur le trône de l'univers. Une chose très, très intéressante à regarder, c'est que lorsque Dieu intervient en faveur d'Israël, Dieu n'a pas demandé à Israël de combattre l'Égypte. Dieu a juste demandé à ce qu'Israël puisse comme juste se mettre un peu de côté, car c'est lui-même qui va combattre pour eux. Et il va le faire d'une manière remarquable. Lui seul va régner dans toute cette histoire. Et lorsque les Juifs, par après, vont fêter la fête, la Pâque, c'est aussi pour se rappeler que Dieu a combattu de lui-même sur toute la ligne. Dieu a combattu, lui seul a régné. Il a été redoutable, il a été remarquable. Dieu a prédominé dans tout ce combat, dans toute cette histoire. Dieu a triomphé. En fait, il y a une version, lorsqu'on étudie les mots en hébreu, il y a une expression qui est utilisée pour dire que Dieu a habité
la place. Lui seul est intervenu de sa propre initiative, de sa propre autorité. Il n'a pas été contraint d'agir. Dieu peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, dans le psaume 135, au verset 6, il est dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, partout dans l'univers. Il n'est pas contraint par des forces extérieures à lui-même. Rien ni personne ne peut le retenir. » Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est toute la grâce que l'on veut vraiment célébrer ensemble, aujourd'hui, à travers ce dimanche de Pâques. Parce que la Bible dit également dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 5, et on voit que l'apôtre Paul également rappelle à l'église d'Éphèse que Dieu agit toujours selon le bon plaisir de sa volonté. Ici, une grande leçon que l'on a à saisir. En fait, la foi, c'est tout d'abord de reconnaître que c'est Dieu qui règne. J'ai la foi aujourd'hui parce que j'ai été saisi et touché par l'amour de Dieu, un amour qui est inégalable. Mais cet amour a aussi un attribut vraiment très particulier. C'est un amour qui règne, parce que Dieu règne sur toute chose. Il gouverne sur la totalité de ce qui existe, dans le visible comme dans l'invisible. Et une chose que j'ai besoin de me rappeler aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, c'est que je ne règne pas. Dieu règne, mais moi je ne règne pas. Et c'est très important de ne pas confondre ces deux choses-là. En fait, je n'ai pas les qualifications pour régner. Je n'ai pas tous les attributs. Je n'ai pas toute la connaissance comme Dieu a toute la connaissance. Je n'ai pas toute l'intelligence. Je n'ai pas le plein contrôle. Et je crois aussi dans le contexte dans lequel nous vivons en ce moment, je crois qu'il y a des bons rappels juste sur cette terre, pour nous montrer à quel point, en si peu de temps, les choses peuvent être renversées, peuvent vraiment chavirer, au point que l'on réalise que l'on ne contrôle pas grand-chose. Je n'ai pas le plein contrôle. Je ne suis pas omniscient. Je ne suis pas l'alpha et l'oméga. Je ne suis pas omniprésent. Je ne suis pas omnipotent. Mais je sais que Dieu, lui, il l'est. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il sait tout parfaitement, son intelligence est parfaite, sa volonté est parfaite, ses décrets sont parfaits. Et le psaume 115 au verset 3, quelques versets que je vous donne un peu aujourd'hui, ça dit que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il n'est pas sur terre, dans les limitations que nous éprouvons nous-mêmes, lui il est au ciel, il a la pleine liberté, il a toute l'autorité. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, il est bon de se rappeler que nous appartenons à un Dieu qui gouverne la totalité de ce qui existe. Et ça, c'est quelque chose qui fortifie ma foi aujourd'hui, quelles que soient les circonstances que je traverse. J'aime bien aussi cette image que Paul va donner à Timothée lorsque, encore une fois, il veut l'encourager. Et il y a cette phrase où il est dit dans le verset 16, 1 Timothée chapitre 6, verset 16, il est dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Je l'ai dit tantôt. Et ici, en fait, c'est comme un peu à saisir, c'est qu'en d'autres termes, on a besoin de comprendre que, en fait, je ne peux pas atteindre Dieu par ma propre initiative. Ce chemin est inaccessible. En fait, il devient accessible seulement dans la mesure où Dieu permet qu'il le soit. Et c'est encore une fois toute l'image que l'on peut attribuer à un Dieu qui règne encore une fois, totalement, en toute chose. L'Évangile, chers amis, l'Évangile, lorsqu'on parle de l'histoire de Pâques, c'est l'histoire de l'Évangile parce que Jésus-Christ va vraiment prendre ce rôle tellement important et ce qui va donner tout son sens à l'histoire de Pâques, vraiment tout son sens à travers ce que Israël a vécu dans le passé. Et c'était une préfiguration de ce que Jésus allait accomplir pour libérer l'humanité de son péché et avoir vraiment accès à la vie éternelle et de pouvoir jouir pleinement de la présence de Dieu. Et l'Évangile, en fait, c'est quelque chose qui plonge ses racines dans la grâce de Dieu. Et c'est important de se le rappeler. Cela signifie
que Dieu donne la vie éternelle gratuitement à des pécheurs qui ne méritent pas, à des pécheurs qui n'ont aucune capacité de pouvoir la saisir, cette vie éternelle, par eux-mêmes. Seul Dieu pouvait le faire pour eux, pour nous. Seul Dieu peut le faire pour nous. L'Évangile repose sur l'œuvre de Christ accomplie à la croix pour nous. Et c'est là toute la grâce de Dieu. C'est son immense amour qui s'est manifesté. Et ce qu'il est bon de se rappeler, c'est que cet amour, il règne. Il règne. C'est un amour qui règne. La grâce, c'est de comprendre que c'est Dieu qui nous a saisis en premier. C'est de sa propre initiative. C'est lui qui intervient. Tout comme c'est lui qui est intervenu pour Israël et c'est lui qui a combattu de A à Z pour un peuple qui était au plus bas de son état. C'est vraiment une histoire de grâce. Et l'Évangile, c'est la grâce de Dieu. C'est lui qui nous saisit en premier. C'est lui qui nous attire jusqu'à lui. C'est lui qui nous a aimés le premier. Nous pensons peut-être que c'est nous qui l'avons cherché, mais la grande réalité, c'est que c'est lui qui nous a attirés à lui. Alors nous le cherchons parce qu'il nous a fait cette grâce de pouvoir avoir ce désir, cette disposition de cœur de pouvoir le chercher. En fait, il incline nos cœurs à le chercher. Il est à l'origine de notre amour pour lui. Si nous le connaissons aujourd'hui, c'est parce qu'il a bien voulu se faire connaître à nous. Et c'est très important de bien remettre les choses en place. Et il s'est révélé à nous de son plein gré. D'ailleurs, Jésus va déclarer que personne ne m'ôte la vie. C'est moi qui la donne, librement. C'est un choix. C'est un choix. Et en ce dimanche de Pâques, une des choses que j'aimerais que vous encouragez à faire, c'est d'accepter de vous laisser conduire par Dieu. D'accepter de laisser le règne de Dieu s'établir dans votre vie. Sans que vous soyez contraint. Pas une obligation, au contraire. Je suis tellement saisi de l'amour de Dieu. Je suis tellement saisi de sa grâce que tout simplement je l'accepte. Et c'est vraiment important. La deuxième chose qu'on a besoin de comprendre, c'est que non seulement c'est un amour qui règne, mais son amour, c'est un amour qui s'est donné. Qui s'est donné librement. Il s'est offert librement. Sans contrainte. C'est le choix de Dieu. C'est vraiment le choix de Dieu. Et plusieurs passages très, très forts, très, très profonds, très puissants, qui nous rappellent ce que Christ a accompli pour nous, qui nous rappellent aussi toute l'œuvre de Christ, mais toute l'œuvre aussi de l'amour de Dieu. Comment l'amour de Dieu a parcouru un chemin si impressionnant pour venir vraiment nous prouver à quel point Dieu nous aimait. Il est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 6, à la parole de vie, il est dit, « Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. » Et ça parle de Jésus-Christ. « Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. » Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. Pourquoi la Bible prend le temps de mentionner une nouvelle fois qu'il est mort, mais il est mort sur une croix? Parce que mourir sur une croix à cette époque-là, c'était mourir comme un brigand, un criminel. La croix, la crucifixion était vraiment attribuée aux criminels, aux pires criminels, aux pires brigands qu'il y avait à cette époque-là. Et donc, Jésus est mort en criminel. Et il a accepté cela pour nous prouver à quel point il nous aimait, pour venir nous racheter, pour venir nous chercher. Et d'ailleurs, justement, dans Romains chapitre 5, verset 8, il est dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et dans la version Parole vivante, il est dit, « Mais le Christ est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. » N'est-ce pas là la meilleure preuve que Dieu nous aime? C'est une preuve incroyable que Dieu nous aime. Nous sommes assurés de son amour, chers amis. J'espère que vous le saisissez. D'ailleurs,
On connaît bien ce passage, peut-être un petit peu pour ceux qui sont moins familiers avec les choses de Dieu, vous ne connaissez pas ce passage, mais pour ceux qui sont croyants, c'est un peu un classique, mais je vais le relire. C'est Jean 3,16 où il est dit « Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Je ne sais pas si vous réalisez le contraste saisissant qu'il y a ici à faire, parce que justement, Dieu s'est révélé tout d'abord à travers Israël comme étant celui qui règne sur toutes choses. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment commencer avec ce point-là, pour qu'on saisisse encore plus l'ampleur de cette vérité, de ce geste, de cet acte d'amour qui a été accompli à travers Jésus-Christ. Dieu règne sur toutes choses. Il peut faire ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il peut vraiment décider de prendre soin de nous, comme il peut décider aussi de ne pas prendre soin de nous. Et c'est fou comment ce Dieu qui règne dans la totalité de ce qui existe, autant dans le visible que dans l'invisible, il n'est pas limité à travers les choses que nous vivons, nous, sur terre. Il est dans un ciel de gloire où il a tout pour lui, tout a été créé à travers lui, par lui, pour lui. Et c'est fou comment ce Dieu-là a choisi de se rendre au plus bas, c'est-à-dire celui qui était le plus élevé a choisi de devenir le plus petit. C'est quand même assez impressionnant. Et pour moi, sincèrement, après 25 ans d'années de vie chrétienne, je suis toujours autant fasciné, bouleversé par cet amour, par cet acte d'amour, cette offre, ce sacrifice, comment Dieu s'est offert. C'est quand même extraordinaire, exceptionnel. C'est pour ça que le titre de mon message, je l'ai intitulé « La plus grande preuve d'amour ». Et face à un tel amour, je ne peux pas douter de la bienveillance de Dieu à mon égard. Je ne peux plus douter de sa fidélité. Je sais que Dieu m'aime. Je sais qu'il est avec moi. Il n'est pas contre moi, il est pour moi. Et en contraste un peu avec toutes les grandes vérités des Saintes Écritures à propos de ce que Dieu est, mais surtout à propos de ce que Dieu a choisi d'accomplir et de faire pour nous, c'est de réaliser que lui qui avait tous les honneurs a accepté d'être humilié. C'est vraiment un contraste, c'est le paradoxe incroyable. Le plus grand a choisi de devenir le plus petit. Le plus considéré a choisi d'être moqué et rejeté. Le plus élevé, comme je l'ai dit, a accepté de se rabaisser. C'est un choix qu'il a fait. Il n'a pas été contraint, puisqu'il peut faire ce qu'il veut. On doit réaliser finalement que les choix qu'il a faits et les décisions qu'il a prises, c'est vraiment pour nous prouver qu'il est intéressé à nous plus que jamais. Son amour est immense à notre égard. Nous avons tellement de la valeur à ses yeux. Nous sommes si précieux à ses yeux, une valeur inestimable. Dieu est venu nous racheter, nous sauver. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que nous comptons pour lui. Lui qui est parfait a choisi d'être bafoué au rang des pécheurs et des criminels. C'est un choix, il s'est offert. Non seulement son amour règne, mais c'est un amour qui s'est donné, qui s'est offert librement. C'est la pleine décision de Dieu. C'est le choix de Dieu. Lui qui gouverne, a choisi d'être accusé. Et lui qui pouvait nous anéantir a accepté de subir le châtiment des hommes. C'est lui qui juge, c'est lui qui gouverne sur la totalité de ce qui existe et il a accepté que nous, êtres humains, nous l'accusions lui. C'est quand même assez saisissant. J'espère que vous saisissez ce message ce matin, parce que là est tout le sens du message de Pâques. C'est vraiment le don précieux de Dieu. C'est la plus grande preuve d'amour. Et je veux insister sur quelque chose, parce que c'est probablement le message le plus important que mon cœur chérit. Autant que je peux partager l'Évangile depuis plusieurs années maintenant,
C'est vraiment la vérité centrale, le pourquoi je sers Dieu. Parce que je veux faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas son immense amour. À quel point, non, ce n'est pas vrai, Dieu n'est pas un tyran, Dieu n'est pas un dictateur, Dieu n'est pas indifférent. Si c'était le cas, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Il ne serait pas allé jusque-là. Et vraiment, je veux saisir toute la portée de son amour aujourd'hui. Parce que je réalise que l'histoire de l'Évangile nous montre que Dieu s'attache à rechercher inexorablement des rebelles comme vous et moi et qu'il nous poursuit non pour nous arracher notre liberté avec colère, mais pour nous libérer de notre esclavage avec affection afin que nous soyons réellement libres. Jésus est l'exemple suprême de la compassion de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Et pas n'importe quelle compassion, c'est la plus grande des compassions. C'est une compassion massive. L'incarnation de Christ nous montre de manière catégorique que Dieu n'épargne personne lorsqu'il s'agit de nous poursuivre pour nous prouver son amour. Ce n'est en rien une réaction calme et subtile de Dieu. En fait, Dieu n'avait pas l'intention de se cacher lorsqu'il s'agissait de nous exprimer tout son amour. Il voulait que l'on le sache. Il veut qu'on le sache encore aujourd'hui. Il veut que l'on soit conscient de cette réalité. Que ça soit sans équivoque, sans retenue, que ça soit clair. Que ça soit tellement palpable, une évidence, que ça devienne une intense réalité. Dieu ne s'est pas caché. Et Dieu a voulu vraiment nous montrer à quel point il nous aimait et il nous aime aujourd'hui. C'est une déclaration d'amour immense et absolue. C'est une déclaration d'amour lourde et assourdissante. Elle fait du bruit, cette déclaration d'amour. Elle a tellement fait du bruit qu'aujourd'hui, chaque fois que nous regardons la date de notre calendrier, elle fait référence à la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ a marqué l'histoire. Jésus-Christ a marqué l'histoire de l'humanité. Parce que Dieu n'est pas venu d'une manière subtile. C'est une déclaration d'amour lourde et assourdissante. Elle nous crie en pleine face que Dieu est prêt à affronter le péché de l'homme de la manière la plus franche et la plus puissante. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ceci, mais de toutes les religions du monde, il n'y a que dans le christianisme où Dieu devient l'une de ses créatures. C'est touchant, c'est saisissant. Et il faut qu'on le réalise, il faut que l'on soit saisi de cette vérité. Dieu a enlevé tous les murs, tous les obstacles. Les seuls obstacles qui se trouvent maintenant devant nous, ce sont les nôtres. Ce ne sont plus les siens. Et il a voulu te faire savoir aujourd'hui qu'il a enlevé tout ce qui pouvait t'empêcher de pouvoir venir vers lui. S'il y a quelque obstacle que ce soit sur ton chemin, c'est parce que c'est le tien et non pas le sien. Et c'est quelque chose que l'on doit saisir avec la plus grande des intensités. Dieu est venu avec une intervention gracieuse. Jésus est l'intervention gracieuse de Dieu pour ceux qui sont esclaves de leur propre péché. Il vient d'une manière bruyante et non subtile, je le répète, avec une affection agressive pour rechercher les fugitifs comme vous et moi. On est tous esclaves, esclaves de notre péché. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Et c'est vraiment important de le saisir encore plus dans une journée comme celle-ci, dimanche de Pâques, on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Jésus va dire sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a rien qui peut être fait de plus. C'est comme si l'ensemble de ce qui pouvait être fait, dans les moindres détails, tout a été fait. C'est-à-dire que tu n'as pas à déployer quelque effort que ce soit pour essayer de mériter ton ciel, mériter ton salut. Il n'y a rien que tu peux faire de ton côté
pour essayer d'impressionner Dieu, pour recevoir plus de faveur de sa part, plus de bienveillance, plus d'amour. Le maximum de ce qui pouvait être fait a été fait. Et tu ne peux pas rien changer à ça. Parce que vraiment, l'Évangile, c'est l'initiative de Dieu du début jusqu'à la fin. Il a commencé cette œuvre, il fait cheminer cette œuvre et il se tient lui-même à la ligne d'arrivée. C'est lui-même qui est au contrôle de toute cette histoire. L'histoire de l'Évangile, c'est l'histoire de la grâce de Dieu. Il voulait nous faire savoir qu'il nous aime et qu'il nous veut. Son amour règne, chers amis, et son amour s'est donné d'une manière que personne ne pourra nous aimer comme Dieu nous a aimés. C'est ça qui est extraordinaire. Et en ce dimanche de Pâques, il est bon de se rappeler que Dieu règne en toutes choses. Quelles que soient les circonstances que l'on traverse, les circonstances de ma vie sont entre ses mains. Quelqu'un devrait dire Amen là où il est, là où vous êtes. Osez dire Amen à ça, parce que c'est une vérité absolue. Les circonstances de ma vie sont entre les mains de Dieu. Ça me rappelle cette histoire de Joseph. Lorsque justement Joseph voit ses frères, lorsque vraiment Dieu l'a amené à cheminer, les frères de Joseph ont voulu faire du mal à Joseph. Et Joseph va déclarer quelque chose d'absolument incroyable et extraordinaire. Il va dire, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Et c'est comme si Joseph n'avait jamais perdu de vue que même dans les circonstances les plus difficiles, même dans les circonstances les plus incertaines de sa vie, il savait que Dieu continuait de régner. Il était très conscient de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu avait à son égard. Et ce n'est pas n'importe quel amour, c'est un amour qui règne en toutes choses. Parce que celui qui donne cet amour est celui qui siège sur le trône de l'univers. C'est pour ça que cet amour est pleinement digne de confiance. Je peux l'accepter sans avoir peur de quoi que ce soit. Dieu sera mon soutien. Dieu est celui qui m'aime d'un amour éternel inconditionnel. Et j'aime me rappeler l'histoire de l'amour de Dieu, surtout en ce dimanche de Pâques. Il est bon de se rappeler que Dieu m'aime d'un amour qui ne peut être égalé. Il n'existe pas de plus grand amour. C'est assez incroyable parce qu'on a lu tantôt Romains chapitre 5, verset 8, où il est dit que Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore pécheurs, il s'est donné pour nous. Mais juste le verset juste avant, au verset 7, il est dit, c'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme de bien, pour une personne qui fait le bien. Peut-être y aurait-il une personne assez courageuse pour mourir pour une personne de bien. Mais c'est comme si, tout simplement, l'apôtre Paul était en train de dire, mais qui serait prêt à mourir pour un pécheur, pour un homme mauvais, tel que nous, finalement, tel que moi? Et c'est ça qui m'a bouleversé il y a 25 ans en arrière, lorsque j'ai saisi l'amour de Dieu. C'était vraiment quelque chose qui était difficile à comprendre. Pourquoi? J'ai dit, pourquoi Seigneur? Comment Dieu peut-il m'aimer à ce point-là? En fait, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais je sais qu'il l'a fait. Et ça, je le sais. Et j'en suis une preuve. Le témoignage d'un Dieu vivant et vrai habite en moi. Son amour vit en moi. Ma vie a été transformée par cet amour. Et je souhaite de tout cœur que ce matin, vous puissiez être saisis de cet amour, encore une fois. Il nous l'a prouvé de la plus grande des manières. C'est inégalé. Nous trouvons en Dieu ce que nous ne trouverons jamais ailleurs. Rappelle-toi, mon ami, ce matin, qu'il t'a aimé le premier. Que même si aujourd'hui tu parviens à avoir des pensées, une bonne disposition pour lui, sache que il est celui qui a initié cette histoire dans ton cœur. Et moi, je veux être cette personne qui va lui attribuer tous les honneurs. Je veux célébrer Dieu. C'est pour ça qu'on parle de célébrer Pâques aujourd'hui. Je célèbre son amour parce que je n'y suis pour rien. Il y est pour quelque chose dans la totalité de cette histoire. Moi, je n'y suis pour rien,
mais Dieu est celui qui règne en totalité. Et je remercie Dieu pour ça. Son amour envers moi est une garantie absolue. Alors, je choisis de relever la tête. Je choisis de marcher avec un cœur fortifié. Fortifie-toi, mon frère, ma sœur. Fortifie-toi, toi qui nous écoutes ce matin, où que tu sois, qui que tu sois. Sache que Dieu te cherche ce matin. Sache que Dieu désire changer ta vie, toucher ton cœur. Il est une intense réalité. Il est vrai plus que jamais. Et ce matin, tu as besoin de saisir son amour. Alors, ce dimanche de Pâques, il est bon de se rappeler que Dieu est celui qui donne un sens à notre vie. En fait, ma vie n'a de sens qu'en lui seul, car c'est sa grâce qui me fait vivre. Et il est temps que je revienne à lui de tout mon cœur. Et je vais terminer avec une histoire. Une petite fille qui va voir son papa et qui lui demande de jouer avec elle. « Papa, je vais jouer avec toi, lâche un peu les choses et tout ça, puis viens, on va jouer ensemble. » Et le papa, il avait envie de rester un peu tranquille, c'était sa journée de congé et tout ça. Il dit « Non, laisse-moi regarder ma revue, je suis bien, je suis tranquille, je viendrai jouer plus tard avec toi. » Et la petite fille, elle insiste, elle veut vraiment passer du temps avec son papa. Et là, le papa, il veut quand même vraiment rester tout seul. Alors, il essaie de trouver quelque chose pour occuper sa petite fille. Et là, il dit, voici, on va faire un deal. On va faire vraiment une affaire ensemble. Le papa a trouvé une carte du monde dans sa bibliothèque et il la prend. Il n'était pas si attaché que ça à cette carte. Et il dit, voici ce qu'on va faire. Je vais déchirer. Alors, il déchire la carte. Je vais déchirer la carte en plusieurs morceaux. Et on va faire un jeu. Je vais te donner la carte. Puis, il va falloir que tu reconstruises la carte vraiment parfaitement. Et au moment où tu auras fini, là, papa, il viendra jouer avec toi. Alors, c'est un bon moyen peut-être pour avoir du temps tranquille. Petite fille, elle a 9 ans. Alors, elle dit pas de problème. Elle prend tous les petits morceaux, elle s'en va dans sa chambre. Et 5 minutes après, elle vient voir son papa. Elle lui dit, « Hey, papa, j'ai terminé. C'est fait. Maintenant, tu vas jouer avec moi. » Et papa, il dit, « Non, non, certain. Je suis certain que tu n'es pas arrivé à reconstruire parfaitement la carte. » Mais viens voir dans ma chambre. Alors le papa se lève, il va voir, et à sa grande surprise, tout était super bien placé. Et là, vraiment, il ne revenait pas à se demander, même si peut-être sa fille était finalement pas un génie, peut-être. Et là, il capotait. Et lui demande, il dit, mais c'est pas possible, tu as juste 9 ans, tu peux pas replacer les choses comme ça, c'est impossible, comment as-tu fait? Et la petite fille lui fait remarquer quelque chose. Elle dit, papa, je sais pas si tu as vu, mais au moment où tu déchirais la carte, devant toi, il y avait peut-être la carte du monde, mais en arrière de cette carte-là, il y avait le portrait du visage de Jésus. Il dit, donc, voici ce que j'ai fait. Moi, je suis allé pour reconstruire la partie où Jésus, c'était plus facile pour moi de reconstituer le visage de Jésus. Et voici ce qu'elle a dit. Et je savais que si Jésus était à sa place, tout le reste irait bien. C'est touchant, une histoire qui sort de la bouche d'une petite fille, mais en même temps qui a une portée tellement saisissante pour nous aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques. J'aimerais te dire ce matin, vous savez, on a construit cet arc-en-ciel sur notre fenêtre les 2 dernières semaines pour dire « ça va bien aller, tout va bien aller ». Mais en tant que croyant, sincèrement, chers amis, encore plus avec Jésus-Christ, ça va bien aller. Tout va bien. Si vous avez Christ dans votre cœur, placez votre confiance en lui. Vous choisissez de regarder à lui. Tout va bien aller. Toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Dieu n'abandonne pas ceux et celles qui placent leur foi en lui. Et c'est vraiment important de réaliser. Lisez les psaumes. Vous allez être impressionné du nombre de fois où il est mentionné ces promesses-là. Que Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui, qui marchent avec lui, qui marchent pour lui. C'est vraiment important. Et vraiment, je souhaite de tout cœur que là où vous êtes, que ce soit les personnes, peut-être, vous êtes familier avec les choses de Dieu depuis si longtemps, peut-être vous avez besoin d'être renouvelé par cette vérité ce matin. Mais peut-être des personnes aussi qui nous visitent, qui viennent entendre des messages, que vous n'êtes pas habitués. Les choses de Dieu vous interpellent aujourd'hui plus que jamais. Il est temps de réaliser que Dieu est vivant. Que Christ s'est offert pour que vous puissiez être sauvés aujourd'hui, il veut vous sauver pour l'éternité. Et il est temps que vous placiez votre vie entre ses mains.
Je vais prier. Permettez-moi de prier maintenant, là où vous êtes. Peut-être juste fermer vos yeux. Et je vais prendre le temps vraiment de prier afin que Dieu touche votre cœur maintenant, à travers cette vérité. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, tu es un Dieu qui nous touche aujourd'hui. Et lorsqu'on réalise tout l'amour que tu as déployé pour nous, Seigneur, nos cœurs sont bouleversés aujourd'hui. Seigneur, nous réalisons à quel point nous avons un Dieu qui règne, un Dieu qui siège sur le trône de l'univers. Et Seigneur, on veut réaliser à quel point, Seigneur, tu es ce Dieu pour qui rien n'est impossible. La terre est ébranlée, le ciel ne l'est pas. Ce matin, je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment nous fortifier à travers cette parole, à travers cette promesse et cette vérité. Je prie également que tu sois avec ceux et celles peut-être qui sont dans une période de peur, de crainte, d'angoisse. Peut-être des personnes qui ont besoin d'être fortifiées en ce moment, Seigneur Jésus. Je prie vraiment que tu touches les cœurs et les vies. Seigneur, on a besoin de réaliser que tu t'es offert librement. De ton plein gré. Seigneur, tu n'as pas rien gardé pour toi, Seigneur Jésus. Tu as tout offert. Tout ce qu'il était possible de faire, tu l'as fait. Et rien ni personne ne pourra faire plus que ce que Dieu a fait pour nous. Alors, Seigneur, ma prière en cette journée, c'est que nous soyons saisis de cet amour au point, Seigneur, que nous puissions relever la tête ce matin. Peut-être que tu veux entrer dans le cœur d'une personne. Une personne puisse expérimenter la vie en Jésus-Christ. Et je prie pour cette personne maintenant qu'elle ouvre son cœur à toi, qu'elle puisse se repentir de ses péchés, qu'elle puisse se réconcilier avec toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui change des vies, qui transforme des cœurs. Et tu nous fais entrer dans des chemins nouveaux, Seigneur, parce que tu as une vie en réserve pour chacun d'entre nous, une vie qui est là en abondance, Seigneur. Ta fidélité est grande, Seigneur, que nous soyons aussi de ceux et celles qui ne doute pas un seul instant que Dieu est avec nous. Son amour est constamment et continuellement avec nous. Quel que soit ce que l'on traverse, tu es fidèle. Alors Seigneur, je prie, mon Dieu, que nous sortions de ce message avec un cœur fortifié, vivifié, encouragé et rempli de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, et que ton amour nous saisisse et que nous puissions même briller par cet amour pour ceux et celles qui nous entourent, qui ont besoin d'être encouragés, fortifiés, de recevoir la paix de Dieu. Alors fais de nous, Seigneur, des pierres vivantes, des instruments entre tes mains, Seigneur, et merci pour tout ce que tu as fait hier. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci parce que nos vies sont entre tes mains. Nous n'avons rien à craindre. Puisque tu es avec nous, psaume 16 déclare, puisque tu es avec moi, je n'ai rien à redouter. Au nom de Jésus, on a prié ce matin et tout le monde déclare un vrai Amen. 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 Éternellement.
J'espère que vous avez été bénis, soit par la prédication, soit par la louange. Je veux juste vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre soit par les médias sociaux, Facebook, Instagram, et aussi par notre adresse courriel info@commercialcchéritage.org. Vous avez des questions, vous voulez qu'on prie pour vous, vous êtes nouveau dans la foi, vous voulez juste poser quelques questions, on est là pour vous. Vous voulez contribuer aussi, écrivez-nous à l'adresse courriel et on va répondre à vos questions. Passez une bonne semaine, que Dieu vous bénisse et on se voit la prochaine fois.